toutes. On sait qu'on est aux Jeux Olympiques, on sait qu'on joue la finale des Jeux Olympiques au saut de cheval. Donc forcément, on se pose plein de questions avant de rentrer. J'avais deux Chinois en finale aux anneaux, donc c'est du bruit, 10 000 personnes en train de crier comme des malades. C'est énorme, c'est une sensation jamais connue, donc je viens de la connaître et justement ça donne envie de la revivre, donc c'était super. On sait que tous les regards sont posés sur nous. On s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je redescends, j'abandonne, je fais quoi? Je sais pas. Et je me suis dit, allez, hein. Il n'y a plus rien à perdre, on est au jeu, on est en finale. Maintenant, j'ai juste à faire mon taf, je sais le faire, à moi de me faire confiance. Toute plus grosse sensation que j'ai ressentie, c'était, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Je vais me réveiller, c'est obligé, c'est pas possible, une médaille d'argent au jeu. C'est déjà énorme, quoi, une cinquième place aux Jeux Olympiques. Moi, dit ça avant, là, pas de problème, quoi, j'aurais signé tout de suite. C'était quelque chose que j'ai rêvé de ça en étant gamin. Et voilà, il y a un petit mois, j'ai réussi à exaucer mon rêve.